Né d'une mère métropolitaine née en Allemagne et d'un père guadeloupéen, il grandit à Apremont, village de l'Oise entouré de forêts. Depuis son enfance, Julien Bérami a toujours eu l'envie de faire de l'art et plus précisément, de devenir acteur. Il prend ses premiers cours de théâtre à Chantilly. Quand il a 6 ans, il connaît sa première expérience devant une caméra sur le plateau du court-métrage « Chapeau bas » d'Hervé Lozac, en 1997. À 18 ans, il s'installe à Paris où il débute sa formation artistique à l'Université de Nanterre Paris 10, section art du spectacle et au cours Viriot. Au milieu des années 2000, il apparaît dans deux films composés de plusieurs courts-métrages. Paris, La Métisse et Paris, Je t'aime. On le voit ensuite dans des rôles secondaires dans des films signés Sylvie M. Arnaud et Jean-Marie Larieux et Roche Dizem. Il tourne également dans plusieurs courts-métrages, souvent des premiers rôles, comme dans Gourgou de Sacha Chély, Négropolitain de Gary Pierre-Victor et Névrodrome de Jim Vieille. Fin 2015, il est l'interprète de Viré, un court réalisé par Hugo Rousselin qu'il a écrit, qui se tourne en Guadeloupe. Dans ce film, il aborde les thèmes du deuil, de la métaphysique et de l'initiation. Il aborde le théâtre avec des pièces comme Les Nègres de Jean Genet, Vénus de Susan Laurie Park ou Conakrika de Facéinette, Elsa Wollaston, danseuse et chorégraphe de danse afro-contemporaine, lui propose en 2007 un rôle dans l'une de ses créations Les Amants avec la danseuse Sandra Moins. En 2013, il crée Nomad, un groupe de Beat New World, exploration musicale à la rencontre de plusieurs courants tels que le trip-hop, l'électro-ambiant et l'abstract hip-hop. En 2014, le groupe se produit à plusieurs reprises sur scène,